Invite encore sa présence. Emmanuel. Là où tu es, lève ta main. Lève ta main, lève ta main. Sa présence est là. Emmanuel est là. Nébrochez, nébrochez, nébrochez. Alléluia, alléluia. Emmanuel. 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 Jésus. Emmanuel. 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 Si l'on reçoit la gloire, de Joseph Olagi, l'heure est venue, c'est ton temps, le Dieu de Joseph Olagi, le Dieu de Joseph Olagi, c'est ton temps, c'est ton temps. Oh, Hosanna, 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 Hosanna. Invoque à cet instant. Si Emmanuel t'invoque en cet instant, le Dieu véritable, o verdadeiro Deus, le Dieu unique, o único Deus, le Dieu vrai, o verdadeiro. Je t'adore à cet instant, Père. Eu te adoro nesse instante. Maintenant que tu veux nous parler, Père éternel, agora queres nos falar, eterno, je me remets entièrement à toi. Eu me entrego totalmente a ti. Que je diminue, que eu possa diminuir, et que tu accroisses, Père éternel, et que tu possas crescer, Pai eterno. Père éternel, que le Saint-Esprit, Pai eterno, que o Espírito Santo, ton esprit, o teu espírito, l'esprit de vie, o espírito da l'esprit vida, de toute puissance, o espírito de puisse en ce moment même possa, nesse momento mesmo, captiver et toucher tous les bien-aimés qui nous suivent en ce moment. Cativar todo mundo que nos segue nesse exato momento. Car je sais que tu as un message à donner à tous nos bien-aimés dans le monde entier. Eu sei que tu tens uma mensagem a dar no mundo inteiro. Papa éternel, Pai eterno, que tout celui qui nous regarde, todo aquele que nos segue, que tout celui qui nous écoute en ce moment, todo aquele que nos escuta nesse momento, que ta présence soit manifeste là où ils sont. Que a tua presença manifeste onde estão. Touche les cœurs, toca os corações, touche les âmes, toca as almas, touche les esprits, Père éternel. Toca os espíritos, Pai éternel. Papa éternel, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur moi.
L'ennemi n'a aucun pouvoir sur mes bien-aimés qui vont bientôt t'écouter. Car ton esprit est avec nous, l'Esprit Saint est avec nous. Porque o Espírito Santo está conosco. Daigne que ton sang nous couvre. Que o teu sangue possa nos cobrir. Corps, âme et esprit. Corpo, alma, espírito. Et que tes oracles sortent. E os oráculos possam sair. Pour nous sauver. Para nós. En ton saint nom, le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Eu assim oro. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bem-amados do Senhor, vous qui nous suivez à travers l'écran, vocês que nos seguem através do ecrã, à travers vos postes de téléviseur, à travers das vossas televisões hoje, vous qui nous écoutez à travers la radio, à travers da rádio, vous qui nous suivez à travers les réseaux internet, les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, à travers l'internet. J'aimerais vous dire shalom, shalom, shalom. Eu quero vous dire shalom, shalom, shalom. Et que l'Éternel vous bénisse. Et que l'Éternel possa vous abençoar. Amen. Amen. Alors, le monde fait face à un fléau. O mundo faz face a uma situação. La planète Terre fait face à une calamité. O planeta Terra faz face a uma calamidade. Les cinq continents sont dans la panique. Os cinco continentes estão em pânico. Les nations du monde sont dans le désarroi. As nações do mundo estão em confuso. Les dirigeants de ce monde, os dirigentes desse mundo, sont dans le désespoir, sinon au bord même du scepticisme. Estão no desespero, estão mesmo no fim. Les familles du monde entier, as famílias do mundo inteiro, sont dans l'angoisse. Estão na angústia. Mais dans tout ça, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, mas em tudo isso, Deus Todo-Poderoso, Deus Verdadeiro, celui qu'on appelle Jéhová, aquele que é chamado Jeová, lui, ele, qui est le créateur de toutes choses, que é o criador de todas as lui coisas, qui est le créateur du ciel et de la terre, o criador do céu e da terra, face à tout cela, face a tudo isso, il est le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant. Ele é o Deus Verdadeiro e o Deus Todo-Poderoso. À qui nous devons tous croire. É a ele que temos que crer. Pendant que toutes ces structures que je viens de citer, enquanto que tudo que acabei de citar sont aux abois, estão na situação que estão, mais que dire de nous individus, de nous hommes que Dieu a créés? O que dizer nós indivíduos, o que dizeres a nós homens que Deus criou? En ce moment, tous les individus, les hommes, sont dans la peur totale. Nesse momento, todos os indivíduos, o homem, estão no medo total. Pourquoi? Porque parce que ce fléau fait des dommages. Porque essa calamidade faz fait des calamités. Tá criar calamidades. Au sein des familles, au sein des nations, au sein des pays. Nas famílias, nações e países. Mais j'aimerais te dire ceci aujourd'hui. Mas eu quero te dizer hoje. De ne pas avoir peur. Não tenha medo. Alors lorsque je parle de d'individus et des hommes qui sont dans la peur, quando eu tô a falar do indivíduo e o homem, j'aimerais parler de celui qui a cru en Jésus-Christ. Eu quero falar aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Celui qu'on appelle chrétien. Os cristãos. Et aussi celui qui n'a pas cru en Jésus-Christ. Mesmo aqueles que não creram em Cristo. Le païen. Ímpios. Et le chrétien et le païen, tous sont dans la peur face à ce fléau. Tanto os cristãos como os pagãos, todos estão com medo diante da situação. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, ce soir, mas eu quero vos dizer nesta tarde, n'ayez pas peur, não tenhas medo, car le Dieu d'Israël, o Deus de Israel, le Dieu tout-puissant, o Deus Todo-Poderoso, est le Dieu véritable. É o Deus il ne laissera jamais ses enfants ele não vai deixar aller au bord du précipice. Pra ir no fundo.
Alors, pour toi qui n'as jamais cru en Jésus-Christ, você que nunca aceitou Cristo, l'occasion t'est présentée aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais. Vale a pena tarde do que nunca. Toi qui n'as jamais accepté Jésus-Christ, você que nunca aceitou toi qui as blasphémé le nom de Jésus-Christ, você que le moment est venu, o moment le temps est venu, o tempo chegou, pour que tu croies en ce Dieu-là, pra você crer nesse que Deus. Tu croies en Jésus-Christ de Nazareth, Jesus Cristo de Nazareth, que tu le reçoives comme Seigneur et Sauveur pra dans ta vie. Como Senhor e Salvador et na tu tua verras vida. Ce que Dieu fera en ce moment-là à partir d'aujourd'hui. E a partir daí vai ver o que, que Deus vai fazer. Et alors, pour toi, mon bien-aimé, pour ti, bem amado, pour mes frères et sœurs, irmãos, irmãs, qui avaient accepté déjà Jésus-Christ comme seul Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur Salvador, j'aimerais vous dire ceci aujourd'hui. Eu vou vos dizer o seguinte, de ne pas avoir peur. Não tenhas medo. De ne pas avoir peur sur ce fléau. Não tenhas medo. De ravager le monde entier. Que t'a affligé o mundo inteiro. Moi, je pensais que tous ensemble, chrétiens du monde entier, eu pensava que todos nós cristãos do mundo nous inteiro, allions adorer tous les jours dans la joie. Todos os dias podíamos adorar na alegria. Pourquoi? Porque? Parce que en tant que chrétiens, como crente que nós somos, nous devons s'attendre en ces moments-ci. Nós temos que esperar esse momento. L'Éternel, à travers ses paroles, à travers plusieurs passages, o Eterno, através de muitas passagens, nous a prévenu de ce genre d'événements. Já nos proveniu de essas situações. L'Éternel nous a parlé des guerres. O Senhor nos falou de guerras. L'Éternel nous a parlé des tremblements de terre. Terremotos. L'Éternel nous a parlé des épidémies, des fléaux. Epidemias, coisas como essas. Tout cela, c'était pour nous préparer. Isso era para nos preparar. Donc nous, chrétiens, nós, os crentes, nous ne pouvons pas nous étonner de ce genre d'événement. Não podemos nos assustar au contraire, ao contrário, nous devions être dans la joie. Nós devemos estar alegres. Parce que ce sont des signes são sinais qui montrent le retour de Jésus-Christ. Que mostra o regresso do nosso Senhor Jesus Cristo. On devait être dans la joie, mes bien-aimés. Estar alegres. Mais pourquoi est-ce que nous ne sommes pas dans la joie? Por que que nós não estamos alegres? Pourquoi? Por quê? Parce que porque le péché est en nous. Existe pecado em nós. Le péché est en nous. Existe pecado em nós. L'Éternel nous a parlé plusieurs fois dans sa parole. O Senhor falou muitas vezes através da sua palavra. Aujourd'hui, c'est un jour d'adoration. Hoje é dia d'adoração. Je vais vous donner des versets clés que vous allez lire, que vous allez méditer à la maison. Eu vou dar passagem chave para vocês lerem em casa. Alors, pour vous prouver que Dieu nous a parlé sur ces événements qui nous arrivent, para provar que Deus já falou conosco, et que ça ne devrait pas nous étonner, nous chrétiens, que não podíamos estar preocupados, au contraire, tous les chrétiens du monde entier devaient être adorés en ce moment l'Éternel. Todos os crentes do mundo inteiro tinham que devaient être joyeux. Alegre. Parce que l'Éternel est prêt à revenir. Parce que les signes sont en train de s'accomplir. Qu'est-ce que nous n'avons pas eu depuis des années, depuis 2000 ans avant Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous n'avons pas eu comme événement? Que nós não vimos nous avons eu des tremblements de terre. Vimos nous avons eu des guerres. Guerras. Nous avons eu des grandes guerres qu'on appelait des guerres mondiales. A guerra mundial, grandes guerras. On a eu des calamités. Calamidades. Des calamités qui ne sont même pas mentionnées dans la Bible. Que até nem tá mencionado que l'homme a surnommé tsunami. Que o homem chamou tsunami. C'est Katerina. Tout ça, ce sont des fléaux. Então, todas essas coisas, mais l'Éternel nous a préparé à são tout coisas cela. Que Deus já nos preparava. Alors, vous allez noter ces références et vous allez les lire à la maison. Vão notar essas referências e ler em casa. Matthieu, tout le chapitre 24. Mateus, todo o capítulo 24. Marc 13. Le Marc, chapitre 13. Marcos, capítulo 13. Luc 21, 11. Lucas, capítulo 21, versículo 11. Et même dans l'Ancien Testament, mesmo no Antigo Testamento, il y a des références et Dieu nous rassure devant de tels événements. Há referências que Deus nos assegura. Deutéronome, chapitre 7, verset 15. Deutéronome, capítulo 7, versículo 15. Exode, chapitre 15, verset 26. Exode 15, 26. Psaume 91, 5, 6. Salmos 91, 5 ça, à 6. Ce ne sont que quelques références, mais il y en a beaucoup. São algumas referências. Où Dieu prépare celui qu'il a reçu comme seul Sauveur et Seigneur. Onde Deus prepara todo mundo dans ces événements-là. Nesses et eventos. Comment est-ce que nous devons préparer le retour de Jésus-Christ? E como é que temos que preparar nous a vinda ne devons pas de Cristo. Nous affoler, bien-aimés. Não podemos ficar perturbados. Nous ne devons pas nous troubler suite não, à ces événements. Não podemos ficar perturbados. Quand l'Éternel est au-dessus de tout cela. Porque o Senhor está acima de tudo. L'Éternel est au-dessus de tout cela. O Senhor et comme nous l'avons accepté comme seul Sauveur et Seigneur, como Senhor e Salvador,
nous devons nous attacher à lui pour que temos que le jour qu'il sera là, nous puissions monter avec lui. Possamos subir com ele. Amen. Amen. Alors c'est ainsi que, é assim que je demande à tous mes bien-aimés chrétiens, eu peço a todos os amados crentes, de ne plus avoir peur, para não terem medo, de ne plus se troubler, não se perturbem, car l'Éternel est celui qui va nous sortir de ça. O Eterno vai nos fazer sair disso. Et nous devons maintenant nous préparer au retour de Jésus-Christ. E temos que nos preparar pela vinda de Cristo. Ah, laissez-moi vous dire, tous ces événements-là que la Bible, que la parole de Dieu a donné, ah, deixa-me vous dire tout nous que les avons diz. Déjà connus. Nós já vimos. Il n'y a rien de nouveau. Não há nada novo. Donc préparons-nous, frères et sœurs, preparai-vous, à l'avènement de Jésus-Christ. Au regresso de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors j'aimerais qu'on passe à un sujet. Eu quero que passemos. Lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 19, le verset 30. Vamos ler a palavra de Deus, Jean chapitre 19. Quand Jésus eut pris le vinaigre, tout est accompli. Quando Jesus bebeu vinagre, il disse, tout está consumado. Et baissant la tête, il rendit l'esprit, parole du Seigneur. Levantando a cabeça, il rendeu seu espírito ao Eterno, palavra do Senhor. Quand Jésus eut pris le vinaigre, depois de Jesus tomar vinagre, il dit, ele disse, la phrase qui nous intéresse ce soir, c'est celle qui continue. Essa frase que nos interessa é aquela que continua. Tout est accompli. Tudo está consumado. Et baissant la tête, elevando a cabeça, il rendit l'esprit. E rendeu o espírito. Voilà la fin. Du ministère de Jésus-Christ. Du ministère de Christ. La fin de la mission de Jésus-Christ. Fin de la mission de Christ. En disant tout est accompli. Dizendo tudo está consumado. Dieu nous dit qu'il a fini sa mission. Deus nos diz que consumiu a sua missão. Jésus-Christ. Jesus Cristo. A fini sa mission. Ele Dieu qui sua s'est sua fait missão. Chair. Ele que se fez carne. A fini sa mission. Ele findou com a sua missão. Alors, nous allons lire également vamos pour appuyer mes propos. Para sustentar meu propósito. Nous allons lire dans Jean João, 17, 4. Capítulo 17, versículo 4. Vamos ler a palavra do Senhor João, capítulo écoutez 17. Ce que Jésus. Le verset 4, au nom de Jésus-Christ. Versículo 4, em nome de Jesus. Je t'ai glorifié sur la terre. Amen. Eu te glorifiquei sobre a terra. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Eu terminei a obra que me deste para fazer. Parole de l'Éternel. Palavra do Eterno. Amen. Jésus a fini sa mission. Jesus terminou a sua missão. Et au verset 5, il dit, cinco, ele diz, et maintenant toi, Père, agora, tu, Pai, glorifie-moi, glorifica-me, auprès de toi-même de la gloire, diante de ti, da glória, que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, que eu tinha diante de ti antes que o mundo existisse. Dieu qui est le Fils, Deus que é o Filho, a fini sa mission, terminando a sua missão, Dieu le Père, Deus Pai, à l'époque, na época, avait déjà prophétisé já tivera sur l'avenue du Fils. Sobre a vinda do filho. Et voilà que, est-ce que en finissant sa mission, terminando a sua missão, Jésus dit tout est accompli. Jesus disse tudo está consumado. Bon, maintenant revenons au début de la mission de Jésus-Christ. Agora vamos voltar no qu'est-ce princípio que Jésus a dit? O que é que Jesus disse? Lisons Marc chapitre 1 verset 15. Marcos capítulo 1 versículo 15. Vamos ler. Marcos capítulo 1, versículo 15. Lisons la parole du Seigneur. Lemos a palavra do Senhor. Jésus-Christ de Nazareth. Em nome de Jesus Cristo. La parole de Dieu déclare. Assim diz. Il disait, le temps est accompli. Ele diz, reprend, o tempo está consumado. Ça c'est la première prêche de Jésus-Christ. Essa é a primeira pregação de Jésus-Christ. Jésus-Christ commence son ministère. Jesus começa sa première prédication. A sua primeira prédication. Qu'est-ce que Jésus dit? O que ele diz? Il disait. Ele diz. Le temps est accompli. O tempo está cumprido.
Et le royaume de Dieu est proche. Y reino de Dieu está próximo. Repentez-vous. Arrependei-vos. Et croyez à la bonne nouvelle, parole de l'Éternel. Amen, amen, amen. Toi qui me suis à l'écran, acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Toi qui me suis à la radio, acclame pour le Seigneur. Toi qui me suis dans les réseaux sociaux, acclame pour le Seigneur. Écoutez comment est-ce que Dieu est bon. Écoute comment elle est bon. À la fin de la mission de Jésus-Christ, il parle que tout est accompli. Et au début du ministère de Jésus-Christ, il nous dit que le temps est accompli. De quel temps il s'agit? Au début du ministère de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire. Vamos ler. Nous allons lire dans Matthieu. Vamos ler Mateus 4, 17. Capítulo 4, versículo 17. Lisons la parole de Dieu. Vamos ler a palavra de Deus. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4. Mateus, capítulo 4. Le verset 17. Versículo 17. La Bible déclare. Assim declara a Bíblia. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Nesse momento, Jesus começou a pregar. Et à dire. Et à dizer. Repentez-vous. Arrependez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Porque o reino dos céus está próximo. Parole du Seigneur. Palavra do Senhor. Déjà, ici, Jésus-Christ commence à peine son ministère. Aqui Jesus começa com seu ministério. Il parle que tout est accompli. Fala, tudo está consumado. Il parle que le royaume de Dieu est proche. Fala que o reino dos céus está próximo. Mais il vient de commencer son ministère. Mas ele quer começar seu ministério. Il parle de la repentance. Fala do arrependimento. Il vient de commencer son ministère. No princípio do seu ministério. Sa première prédication. A sua primeira pregação. Et il nous demande de croire à la bonne nouvelle. E ele pede queremos na boa nova. Amen. Amen. Le temps accompli ici, de quel temps il s'agit? Qual é o tempo que temos que entender aqui? La parole de Dieu dit. A palavra de Deus diz que l'Éternel n'est pas venu abolir la loi. O Eterno não veio abolir a lei. Mais qu'il est venu accomplir la loi. Mas sim veio cumprir com toutes les prophéties qui ont été données avant qu'il ne vienne sur la terre. Ele veio cumprir todas as profecias dado antes dele vir na terra. Amen. Amen. Il est donc venu accomplir. Ele veio cumprir. Le moment était venu quand Jésus-Christ a commencé son ministère. O momento começou a chegar quando ele veio. Il est venu accomplir toutes les paroles prophétiques. Ele veio cumprir todas as qui ont été dites dans l'Ancien Testament. Que foram ditas no Antigo Testamento. Amen. Amen. Parce que même sa venue était prophétisée dans l'Ancien Testament. A sua vinda foi profetizada no Antigo Testamento. La mission de Jésus-Christ était prophétisée dans l'Ancien Testament. A sua missão foi profetizada. Le fait que Jésus-Christ dise que croyez à la bonne nouvelle. O efeito de crer na boa nova. Dans l'Ancien Testament, il y a une prophétie qui dit que c'est lui qui donnera la bonne nouvelle. No Antigo Testamento diz que a salvação tout ce que Jésus-Christ a fait sur la terre. Tudo que Jesus fez na terra. Les grandes lignes ont été prophétisés. Já foi profetizado. Ont été prophétisés. Já foi profetizado. Amen. Amen. Alors, pour preuve, nous allons lire dans Luc 14, dans Luc 4. Lucas 4. Luc chapitre 4. Lucas capítulo 4. Luc chapitre 4. Lucas chapitre 4. 18 à 19, lisons la parole de l'Éternel. 18 à 19, face à la lecture de la parole de l'Éternel. L'Esprit du Seigneur est sur moi. O Espírito do Senhor está sobre mim. Parce qu'il m'a oint. Porque ele me ungiu. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Para anunciar uma boa nova aos pobres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ele me enviou para curar as pessoas de coração quebrantado. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Para proclamar aos cativos a libertação. Et aux aveugles le recouvrement de la vue.
aos cegos para descobrir as vistas. Por envoyer livre les opprimés. Para enviar livre os oprimidos. No verso 19. Por publicar uma année de graça do Senhor, parole de l'Éternel. Para publicar um ano de graça do Senhor. Amém. Voilà la mission de Jésus-Christ. Est la mission de Christ. La mission de Jésus-Christ. Est la mission. Plus du fait que Jésus-Christ nous demande qu'on se repente. Quanto mais pede para nos arrependermos? Parce que le royaume de Dieu est proche. Porque o reino de céu está próximo. Voilà quelques-unes des missions que déjà Esaü en son temps, Esaü avait prophétisé. Por causa da profecia do Esaías. Parce que si vous lisez au verset 17, se você lê 17, il dit ceci. Ele disse o seguinte. Et on lui remit le livre du prophète Esaü. Lhe deram de volta o livro do profeta déroulé Esaïa, o rolo. Jésus. Qui a déroulé le livre d'Esaïe. Il trouva l'endroit où il était écrit ce que vient de lire notre frère Bathsheba. Et plus loin au verset 21, no 21, il est dit ceci. Disse alors il commença à leur dire. Ele começou a dizer, aujourd'hui cette parole. Hoje, essa palavra, la parole d'Esaïe. A palavra d'Esaïe. La prophétie d'Esaïe. A profecia d'Esaïe. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre hoje, essa palavra da escritura que vocês ouviram, est accomplie. Se cumpriu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Ah, glória a Jesus Cristo. Quelle merveille. Que maravilha. Vous voyez, donc tout ce que Jésus-Christ a fait sur la terre, dizer, tudo que Jesus fez avait na terra, été prédit à l'avance. Já foi predito antes. Alors, on va commencer par le premier point, la repentance. Vamos começar no primeiro ponto, que é o grande ponto, arrependimento. Rapidement. Rapidamente. Mais avant d'aller dans la repentance, je vais vous donner quelques éléments. Antes de nous arrependimento, vous allez lire à la maison. Elementos, vamos ler em casa. Pour vous montrer que tout ce que Jésus-Christ a fait était prophétisé. Para mostrar tudo que Jesus la naissance de Jésus-Christ a été prophétisée. Esaïe chapitre 7. Esaïe chapitre 7. Verset 14. Versículo 14. Esaïe chapitre 9. Verset 5. Esaïe 9, 5. L'annonce de la bonne nouvelle. Anúncio da boa nova. Le salut. A salvação. Esaïe 61, 1 à 2. Esaïe 61, même 1 à 2. Même le salut était prophétisé par le prophète. Même la salvação foi profetizada pelos profetas. Alors, le sauver du péché. Salvação do pecado. La délivrance, la libération des oprimés, des captifs. A captividade. Ça a été prophétisé également par Esaïe. Já foi profetizado por Isaías. 53, verset 4. 53, versículo 4. Amen. Amen. Alors, nous allons lire maintenant. Agora vamos ler. Également la mission de Jésus-Christ avait été prophétisée comme je l'ai dit tout à l'heure. A missão de Jesus também foi profetizada como já disse. Et Esaïe 42 verset 7. Esaïe 42 7. Esaïe 61 1 à 6. Esaïe 61 1 à 6. Alors, nous sommes passés de la fin du ministère de Jésus-Christ. Passamos do fim do ministério de Cristo. Au début du ministère de Jésus-Christ. Do princípio do ministério de Cristo. On est passé de la loi. Passamos da lei. À la foi en Jésus-Christ pour que nous soyons tous sauvés. Na fé em Cristo Jesus para sermos salvos. De la loi. Da lei. Des commandements. Dos mandamentos. Nous sommes passés. Passamos. À la foi en Jésus-Christ. La foi en Christ Jésus. Pour que nous soyons tous sauvés. Para sermos salvos. Mais pour que nous soyons sauvés, il y a beaucoup de conditions. Para sermos salvos, há condições. Et une des conditions, l'Éternel vient de le dire. Uma das condições que o Eterno deu. La repentance. É o arrependimento. La repentance. O arrependimento. Nous allons lire cela. Vamos ler sobre isso. Nous allons lire dans 2 Pierre. Segunda de Pedro. 3. Capítulo 3, versículo 8. 3, 8 à 9. A 9. 2 Pierre. Segunda de Pedro. 3. Capítulo 3. 8 à 9. 8 à 9. Lisons la parole du Seigneur. Leio a palavra do Senhor. Mais il est une chose. Mas é uma coisa. Bien aimé. Bem-amados, que vous ne devez pas ignorer, que não podes ignorar, c'est que devant le Seigneur, diante do Senhor, un jour est comme mille ans, um dia é como mil anos, et mille ans sont comme un jour, mil anos como dia, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, o Senhor não tarda no cumprimento da promessa, comme quelques-uns le croient, como
alguns creem. Mas ele usa de paciência envers vous. Mas ele usa a paciência convosco. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Mas não pereçam. Mas voulant que tous. Mas queremos que todos. Arrive à la repentance. Chegamos no arrependimento, palavra do Senhor. Nous allons également lire dans Galates 6:7. Galates 6:7. Galates capítulo 6 versículo 7. Galates chapitre 6, le verset 7, lisant au nom de Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, parole de l'Éternel. Amen, amen. Alors j'aimerais dire ceci. Eu quero dizer o seguinte. À toi qui nous suis, le bien-aimé. Você que me segue, bem amado. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur. Você que recebeu Cristo como Senhor e Salvador. De ne pas prendre en vain. Não toma em vão. L'accomplissement de la mission de Jésus-Christ. O cumprimento da missão de Cristo. Qui s'est soldé. Que é soldado. Avec l'œuvre de la croix. Com a obra da cruz. Parce que lorsque nous sommes chrétiens. Quando somos crentes, nous sommes censés abandonner le péché. Somos sensíveis a abandonar o pecado. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme seul Sauveur et Seigneur, quando recebemos Cristo como Senhor e Salvador, comme seul Seigneur et Sauveur, como único Senhor e Salvador, nous devons abandonner le péché pour avoir la vraie conversion. Temos que abandonar o pecado para termos a verdadeira conversão. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Não se mente a Deus. Dieu a dans tout. Ses paroles, dans tous ses messages, Dieu a parlé de la repentance. Pela sua mensagem, ele falou do arrependimento. Et l'œuvre de la croix. E a obra da cruz. Où il a dit tout est accompli. Onde ele disse, c'était tout pour qu'aujourd'hui, toi et moi. Talvez você e eu. Nous soyons devant Jésus-Christ, celui qui va nous pardonner, celui qui va nous décharger. Estejamos diante de Cristo. Et par son sang qu'il a versé à la croix, nos péchés soient ôtés. Para nos arrependermos, ele vai nos descarregar para tirar o nosso pecado. Ne se moquons pas de Dieu, nous chrétiens. Nós crentes, não se zomba de Deus. Quel est ce péché qui te retient, toi, chrétien? Qual é o pecado que ainda te mantém? Si aujourd'hui, nous avons peur. Se nós temos medo hoje. De ce que Dieu avait déjà annoncé il y a 2000 ans. Daquele que Deus já teve anunciado há 2000 anos. C'est que en nous il y a point de vérité. Quer dizer que nós não há en verdade. Nous, il y a le péché. Et nós há pecado. Et Dieu nous regarde de là-haut. Et Deus nos vê do alto. Mais qu'est-ce que Dieu fera si nos cœurs sont toujours tachés de noir? O que que Deus fará se nosso coração está preto? Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui t'empêche d'être en communion parfaite avec ce Dieu-là? D'estar em comunhão perfeita com Deus. Nous chrétiens d'aujourd'hui, crentes de hoje, on nous compare maintenant à des païens qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ. Tá nos comparar com pagãos que não aceitaram Cristo. Nous faisons tout ce que les païens font. Estamos a fazer o que os ímpios fazem. Mais à quand cela va s'arrêter? Quando é que vai parar isso? Nous ne nous manquons pas de Dieu. Não podemos se zombar de Deus. Et Dieu, par sa miséricorde, Deus pela sua misericórdia. Il est plein d'amour. Ele é cheio de amor. Plein de patience. Paciência. Parce que imaginez. L'Éternel a parlé de son retour dès sa première prédication. Falou do seu regresso desde a primeira pregação. 2000 ans. Il y a 2000 ans. Há 2000 anos. Il a parlé de son retour déjà. Falou do seu regresso de Cristo. Du royaume. Do reino. Mais nous sommes là. Mas nós estamos aqui. Voyez comment est-ce que Dieu. Vê como é que Deus. Il y a eu des calamités. Il y a eu des guerres. Il y a eu des deuxième guerres mondiales. La première guerre mondiale. Il y a eu des ouragans. Il y a eu. On en compte plus de tout cela. De então, nós todos soubemos dessas Mais coisas Jesus que aconteceu. Jésus-Christ use toujours de patience. Mas Jesus usa paciência. Pourquoi? Porque. Il veut que son église. Ele quer que a sua igreja. Soit sans tache ni ride, esteja sem mancha, sem pour ruga, que le jour qu'il viendra, para que o dia que il ele puisse chegar, prendre son église sainte. Ele possa levar et l'église sainte santa, est toi et moi. E a igreja santa é tu e qu'est-ce eu. Qui te dérange? O que te perturba?
Qu'est-ce qui te dérange? Okay, que te perturbe. Regardez comment est-ce que nous les chrétiens nous comportons. Comment estamos a nos comportar? Regardez comment est-ce que nous les serviteurs de Dieu nous comportons. Nós os servos de Deus, como estamos nos comportar? Les ténèbres totales. Trevas total. Nous devons revenir aux pieds de Jésus tous. Temos que voltar todos pour a Cristo. Que la miséricorde et la grâce de Dieu soit sur nous. Para que a misericórdia e a graça de Deus seja sobre nós. Nous n'avons plus de la patience de Dieu. Não, se zomba da paciência de Deus. Si Dieu décide de revenir aujourd'hui maintenant. Se decide vir hoje. Nous chrétiens. Nós os crentes, nous allons rester. Vamos ficar. Nous allons nous regarder. Vamos olhar. Pourquoi? Vamos nos olhar porque nós n'avons pas pris les choses de Dieu au sérieux. Porque não tomamos as coisas de Deus a sério. Moi qui vous parle, j'ai aussi un passé. Eu que estou a vos falar, tenho passado. Moi qui vous parle, j'ai aussi péché. Eu também tinha pecados. Mais je reviens maintenant. Mas eu voltei aux pieds de Jésus-Christ. Nos pés de Jesus Cristo. Qui ne me connaissait pas moi ici en ville? Quem não me conhecia na cidade? On m'appelait le Don Juan. Me chamavam. Qui ne me connaissait pas ici en ville? Quem não conhecia na cidade? Mais je suis revenu peu à peu aux pieds de Jésus-Christ. Pouco a pouco voltei à Malgré Cristo. Ce que je faisais, apesar das je me disais chrétien. Eu falava era crente. Malgré ce que je faisais, apesar que eu je fazia, disais je connais la parole de Dieu. Eu falava conheço a palavra. Mais jusqu'à quand? Mas até quando? Jusqu'à quand toi mon bien-aimé? Até quando, bem amado? Tu seras tiède? Você vai estar sempre. Tu seras ni chaud ni froid. Você estará jusqu'à quand mon frère? Até quando? Réveillons-nous, la parole de Dieu, réveillons-nous. Despertai-vos. Réveillons-nous. Despertai-vos. Amen. Amen. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Não se zomba de Deus. Ne prenons pas en vain. Não vamos tomar em l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. A obra de Cristo na Jésus-Christ cruz. A accepté de porter cette croix-là Ela pour toi et moi. Pra tu e pra mim. Mais pourquoi est-ce que nous sommes en train de bafouer l'œuvre de la croix? Que nós estamos nous qui l'avons reçu et continuons dans le péché. Continuando no pecado. Alors même si nous l'adorons, mesmo que lhe adoramos, Dieu ne va jamais agréer notre adoration. Deus não vai se agradar da nossa adoração. Parce que nous avons un cœur qui n'est pas repentant. Nós não temos nous sommes chrétiens arrependido. Aujourd'hui. Somos crentes hoje. Demain nous sommes dans les bars. Amanhã estamos nos Demain bares. Nous sommes après les filles. Estamos com as Demain mulheres. Nous sommes dans le mensonge. Estamos na mentira. Que ce soit chrétien, que ce soit même serviteur de Dieu. Seja crente, seja Mais comment voulez-vous de Deus? Que Dieu ne pleure pas? Como é que Deus não vai chorar? Comment voulez-vous que Dieu laisse même cette calamité embraser tout le monde entier. Comment que Deus não vai permitir essa calamidade do mundo inteiro? Moi, mon frère. É por causa de tu e eu. Si Dieu a permis. Se Deus permitiu. Que cela arrive. Que isso chegasse. C'est à cause de toi et de moi. É por causa de tu, é por causa de mim. En tant que chrétien. Como crente. On ne pouvait pas être dans le péché. Nós não abandonamos o pecado. Péché, eu não sei qual é o teu si pecado. Se a burla. Je ne sais pas si c'est le mensonge. Le mentira, mensonge c'est le diable. Mentira si é do diabo. Você mente pão, pão. Tu iras à l'enfer. Vas-y no inferno por causa do pão. Le père du mensonge. O diabo é o pai da mentira. Bien-aimé. Bem-amado. Bien-aimé. Bem-amado. Ne prenons pas en vain l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Não vamos tomar em vão a obra da cruz de Cristo. Ne prenons pas cela en vain. Não podemos tomar em vão. Parce que la parole de Dieu va bientôt s'accomplir. A palavra de Deus vai se cumprir. Celle où Il va décider de revenir. Dizer, de repente, il va tomar et lorsqu'il reviendra, de regressar, il y aura regressar, des grincements de Dieu parmi le peuple de Dieu. Et comment est-ce que sera dentro dos povos de Deus? Évitons cela. Vamos evitar isso. Évitons cela. Vamos evitar. Nous allons lire la parole de Dieu. Vamos ler a palavra de Deus. Dans Marc 13, Marcos capítulo 13, versets 23 et 26. Versículo 23 à 26. Marc chapitre 13, 23 à 26, lisons tous ensemble au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare, « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Reprends, ça c'est la parole que Dieu nous Répète, dit ce soir. Et sa palabra. « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Verset 25. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées.
Verset 26. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Parole du Seigneur. Palabra del Señor. Soyez sous vos gardes, vous qui dormez. Vocês que estás a dormir. C'est qui dort? Quem dorme? C'est toi et moi. É você e eu. Qui avons accepté Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur. Salvador. Nous continuons à dormir parce que nous sommes dans le péché. Estamos a dormir porque estamos no pecado. Nous continuons à dormir parce que nous sommes dans le tâtonnement. Estamos a dormir porque estamos on ne connaît pas notre position partout où nous allons, au travail, au marché. Certa. On ne connaît pas notre position não conhece parce a nossa que nous sommes tièdes. Porque nós estamos nous sommes chrétiens, mais c'est comme si nous étions païens. Somos cristãos païens. L'Éternel nous dit ce soir, soyez sur vos gardes. O Senhor diz, despertam. Soyez sur vos gardes. Despertam. Je vous ai tout annoncé d'avance. Eu já anunciei tudo donc, antes. Au début de son ministère, no princípio do seu ministério, pendant son ministère, durante seu ministério, à la fin de son ministère, antes do seu ministério, Jésus-Christ nous a tout annoncé. Jesus já anunciou tudo. C'est à nous, avec l'aide du Saint-Esprit, nós com a ajuda do Espírito Santo, d'appliquer la parole de Dieu. Temos que aplicar a palavra de pour Deus. Que nous soyons une église sans tache, para vide, que sejamos uma igreja pour que le jour ruga, où l'Éternel viendra, o dia que o Eterno vir, il nous rassemble tous les élus. Para juntar les todos les vrais élus. Os verdadeiros il faut élus. Que ce jour-là je voie mon frère. Esse dia il faut que je voie ma soeur. Irmã, oui, nous avons prié sim, oramos, en vérité en esprit. Na verdade, nous avons espírito, adoré l'Éternel en vérité en esprit. Adoramos, Senhor, nous avons adoré l'Éternel verdade, sans tache ni ride. Tache, et c'est en ce moment-là que l'Éternel nous prendra tout. Agora, Senhor, mais si nous ne faisons todos, pas ça, ça sera la fin pour nous et nous allons fim, grincer nos dents et nous allons pleurer. Et nós vamos chorar, je vous prie, se não mudarmos, eu vos je peço, vous prie, eu vos peço, moi-même je suis dans le lot. Eu estou na água. Moi-même je me prie eu também me que l'Éternel nous fasse grâce, que Senhor me fasse grâce et que nos cœurs reviennent, que o meu coração revienne avant, comme Adam et Ève avant le péché, que o meu coração se torne que como nos cœurs reviennent purs, que torne-se puro, que nous soyons dans la sainteté. Estamos na santidade. C'est ainsi que le Saint-Esprit est là pour ça. É assim que o Espírito le Saint-Esprit Santo est là pour nous rappeler à tout moment. Vai nos lembrar todo lorsque momento. Nous commettons un péché tout de suite, quando cometemos um pecado, le Saint-Esprit nous convainc et nous devons nous repentir sur le champ. Vai nos convencer, n'attendons vamos pas le lendemain matin. Não espera n'attendons pas après 24 heures. Não espera depois n'attendons de 24 pas après 2 mois. Não espera. C'est sur le champ que le Saint-Esprit mas nous convainc et que nous devons revenir à Jésus-Christ. Convence voltar a Cristo. Plus de complaisance avec Jésus-Christ. Então não vamos brincar com plus Cristo. De complaisance avec le péché. Não vamos brincar on com dit pecado. Non au péché. De... On tourne le dos au péché. Vamos dizer não pecado, pour que Dieu pecado. Ait sa grâce sur nous. E a sua graça vai ser derramada. Revenons au bon sentiment. Vamos voltar no bom sentimento. Revenons au bon sentiment. Vamos voltar no ayons bom sentimento. À tout moment un cœur repentant. Vamos ter coração arrependido. Je vais continuer le même passage au verset 31. Versículo 30, eu vou jusqu'au 37. Até 37. Donc Marc chapitre 13 verset 31 à 37. Marc 13 31 à 37. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Escuta. Le ciel et la terre passeront. Amen. Mais mes paroles ne passeront point. Amen. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps-là viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, encore une fois, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Craignez qu'il ne vous trouve pas endormi à son arrivée soudaine. L'arrivée de Jésus sera soudaine. A vinda de Jesus l'arrivée de Jésus-Christ sera sans qu'on le sache. Ninguém vai saber. Elle sera momentanée. Sera momentane. Elle sera soudaine. Sera de repente. Et le dernier chapitre de dire, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Amen.
Donc dans ce verset-là, plusieurs fois, on nous demande de veiller, de prendre garde. C'est ce message-là que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. Arrêtons de dormir et veillons. Veillons à la purification de notre cœur. Veillons à la sainteté de nos cœurs. Veillons à la sainteté de nos âmes. Veillons à la sainteté, à la purification de nos âmes. Pour que la grâce du Seigneur soit sur nous. Amen. Amen. C'est ainsi que, comme c'est un jour d'adoration, nous allons bientôt adorer l'Éternel. Mais en adorant l'Éternel, pourquoi est-ce que nous allons l'adorer aujourd'hui? Nous allons l'adorer, comme je l'ai dit en mon introduction. Je vous ai dit en mon introduction que le monde entier, les cinq continents sont dans la panique générale. Eu disse no princípio que o mundo está em pânico geral. Mais nous allons adorer l'Éternel parce Mas que nós vamos adorar o Eterno. Dieu domine sur la terre. Porque Deus domina sobre a terra. Dieu domine sur les continents. Deus domina sobre os continentes. Psalm 46:10. Les nations du monde sont aux abois. As nações do mundo estão afundadas. Mais laissez-moi vous dire que le Dieu domine sur les nations. Sobre as nations. Dieu a le contrôle sur les nations. Deus controla as nações. Psalm 46:10. Les dirigeants de ce monde, os dirigentes desse mundo sont débordés. Eles estão débordados. Sont au bord du scepticisme. Estão Mais aujourd'hui, nous allons adorer l'Éternel. Hoje nós vamos adorar o Eterno. Parce que Dieu est le roi des rois. Porque Deus é o rei dos reis. Parce que Dieu est le seigneur des seigneurs. Ele é o senhor dos senhores. Et celui qui donne la sagesse. Ele é que dá sabedoria. Et qui donne l'intelligence. Ele é que dá inteligência. À nos dirigeants. Aos nossos dirigentes. Comme il a fait avec Salomon. Como fez a Salomão. Aujourd'hui, nous allons adorer l'Éternel. Hoje vamos adorar o Eterno. Parce que les populations du monde entier sont dans le désarroi. Mais écoutez ce que la parole de Dieu dit. L'Éternel est un refuge pour son peuple. Oh Jésus, tu es un refuge pour nous qui t'avons accepté. En ce jour de fléau, avec cette calamité, Père éternel, tu es un refuge pour nous qui t'avons accepté. Parce que réellement, nous avons reconnu que nous t'avons blessé, que nous t'avons remis à la croix par nos actions, par nos péchés. Mais je sais que Seigneur, tu as miséricorde sur nous. Ta grâce est sur nous. Et je sais que tu es un refuge pour nous, Père éternel. Nous allons adorer l'Éternel. Parce que les familles du monde entier sont dans l'incertitude. Mais laissez-moi vous dire, l'Éternel fait pleuvoir des bénédictions sur les familles qu'il adore. L'Éternel fait pleuvoir la guérison sur les familles qu'il adore. L'Éternel fait pleuvoir des bénédictions de bonne santé pour les familles qu'il adore. Oh Jésus, descends parmi ton peuple. Et pour nous qui avons cru en lui, l'Éternel a un plan merveilleux pour nous si nous revenons vers lui d'un cœur sincère. L'Éternel sera avec nous lorsque cette parole dans Joël, chapitre 2, verset 12 à 16, va s'accomplir. Joël, le chapitre 2. Joël, chapitre 2, 12 à 16, lisons au nom de Jésus. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, Dieu, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? Oh Jésus! Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion,
publier un jeûne, une convocation solennelle, assembler le peuple, former une sainte réunion, assembler les vieillards, amen, assembler les enfants, amen, même les nourrissons à la mamelle, amen, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, amen. Parole du Seigneur. Oh, là où tu es mon frère, acclame pour l'Éternel, acclame pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà ce que dit l'Éternel. Oh, il nous demande de déchirer nos cœurs, il nous demande de déchirer nos vêtements pour qu'on revienne à lui, pour qu'on revienne à lui, car il est le Dieu compatissant, il est le Dieu miséricordieux. Revenons à lui par le jeûne et la prière. Toi qui me suis ce soir aujourd'hui, laisse-moi te dire, sur instruction de l'Éternel, il y a une convocation solennelle pour un jeûne et prière de 14 jours à compter de minuit ce soir, pour que l'Éternel ait pitié de nous, pour que sa grâce soit sur nous. Prenez cela au sérieux. À partir de minuit aujourd'hui, jusqu'au jour de Pâques, le 12 avril, nous allons pleurer. Nous allons déchirer nos vêtements. Nous allons déchirer nos cœurs pour que la grâce de l'Éternel soit sur nous. Pour que l'Éternel ait pitié de nous. Oh Jésus. 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 Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Jésus. Jésus. Aie pitié de nous, oh Père, oh Jésus, nous t'adorons Père éternel, nous t'adorons Père éternel, nous t'adorons Père éternel, nous t'adorons Père éternel, oh Emmanuel, nous t'adorons Père éternel, Jésus, nous t'adorons Père, Emmanuel, nous t'adorons Jésus, oh Jésus, Emmanuel, oh Jésus, oh Emmanuel, Jésus, et l'homme à la merci, oh Jésus, tu es notre refuge, alléluia, oh Jésus, alléluia, oh Jésus, oh Jésus. Yeah.
nom Jésus, à toi l'honneur et la gloire, Yahweh. Tu es le seul refuge pour moi. Oh Yahweh, Shamma. Manangana ni bima be na sala yo